J'étais la semaine passée au Japon où j'ai effectué la première visite ministérielle française depuis la levée des restrictions sanitaires à l'automne. Je suis heureux d'avoir pu réaffirmer l'attachement de la France au partenariat d'exception qui nous lie, quelques semaines après le déplacement du Premier ministre Kishida à Paris. Mon objectif était de promouvoir auprès de nos amis japonais l'attractivité économique de la France, notre nouvel environnement des affaires, l'excellence de nos filières industrielles et leur capacité d'innovation afin de les convaincre d'investir davantage dans notre pays. J'ai eu aussi le plaisir de voir combien l'appétence pour nos produits est forte et combien nos entreprises implantées au Japon réussissent. Je pense naturellement à Air Liquide, fournisseur stratégique pour la production de semi-conducteurs, dont j'ai inauguré à Yokkaichi une nouvelle usine de production d'azote. Mais je pense aussi à de nombreuses PME et start-up dans le solaire ou l'éolien flottant, par exemple, qui mènent dans l'archipel des activités essentielles pour la transition énergétique. Bref, la France rayonne au travers de ses savoir-faire. Nos échanges économiques avec le Japon doivent néanmoins s'amplifier. Je compte pour cela sur la dynamique précieuse créée par la French Tech Tokyo et sur le soutien de la Team France Export. Je salue d'ailleurs la délégation d'entreprise emmenée par Business France qui m'a accompagné lors de ce déplacement. Nous devons renforcer les investissements croisés avec ce partenaire de taille qu'est le Japon, au service de nos intérêts communs en Indo-Pacifique, mais également dans les secteurs porteurs de croissance. Nos deux pays, férus de haute technologie, ne peuvent que mieux avancer ensemble. La présidence japonaise du G7 pour l'année 2023 doit nous donner l'occasion de porter nos priorités en faveur du multilatéralisme. La nouvelle feuille de route bilatérale permettra également de resserrer nos liens par des coopérations nouvelles, porteuses de prospérité pour nos pays, de durabilité pour la planète et de paix pour tous.